Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir des fragments de monstres du cube. Alors pour obtenir des fragments, il va falloir se rendre dans des détours de Fortnite. Alors les détours de Fortnite, vous pouvez les retrouver sur la carte. Tout simplement, le gros rond que vous voyez sur l'écran, ça c'est un détour de Fortnite. Donc il apparaît aléatoirement dans plusieurs villes aléatoires de la map. Alors il y a d'autres petits détours que vous allez pouvoir faire apparaître manuellement. C'est les petits détours qui sont représentés par des petites failles comme ici. Donc ça c'est un petit détour, c'est une anomalie de détour et quand vous vous approchez de cette faille, ça crée un petit détour, donc un petit rond comme ça. Ça, c'est le gros détour qui apparaît dans n'importe quelle ville. Et les petits fragments vont créer des petits détours comme ceci. Donc, il y en a toujours trois qui apparaissent sur la map. Donc là, par exemple, elles viennent de disparaître toutes les trois. Elles vont réapparaître. Donc là, il y en a une. Il y en a une ici et il y en a une autre ici. À chaque fois qu'il y en a une qui disparaît, elle réapparaît autre part automatiquement. Donc, il y en a toujours trois constants sur la map. Alors moi, je vais aller à Holy Edge. Je vais aller dans le gros détour. Moi, je vous conseille quand même d'aller dans le gros détour. Ce sera plus simple. Alors ensuite, quand vous êtes dans le gros détour, bah là, vous allez devoir éliminer des monstres. Bien entendu, il vous faudra une arme. Donc là, voilà, je vais choper une arme. Hop. Et ensuite, je vais chercher après des monstres. Et quand je vais tuer des monstres, en fait, ils vont faire spawn des fragments du cube. Donc regardez, là, ça m'a... Là, ils ne le font pas tous, hein, mais normalement, vous en tuez une petite dizaine. Et vous allez voir, surtout les gros, ils font tomber beaucoup de fragments. Je pense que c'est peut-être que les gros, en fait, hein, qui font tomber des fragments. Parce que là, je vois que les petits n'en font pas tomber. Donc, on va tuer le gros là pour voir. Et là, bah non plus. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que je suis en labo de combat. Donc, peut-être qu'en labo de combat, il n'y a pas de fragments. Si ça ne marche pas, je vais aller en partie publique pour voir si ça fonctionne. Donc, on va ouvrir un coffre. Et on va tuer plusieurs zombies pour voir si ça apparaît ou pas, mais... Première vue, là, ça n'apparaît pas. Ok, donc j'ai l'impression qu'en labo de combat, il n'y a pas de fragment qui apparaît. Donc, je vais aller en partie publique pour vous montrer ce que c'est. Ok, donc c'est parti. Là, je suis en partie publique. Logiquement, quand je vais tuer des monstres, ils vont me donner des fragments du cube. Ok, donc parfait. J'ai un pistolet mitrailleur en or. Donc là, ça ne m'en a pas donné. Ok, voilà, ça en donne bien. Donc même les petits donnent des fragments du cube. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est récupérer 50 morceaux de cube. Donc fragments de cube. Donc là, j'ai déjà récupéré 6 au total. Parce qu'en fait, c'est des stocks de 3, 10, 20. Je pense que si vous tuez un gros monstre, il vous donnera directement 10, voire 20 fragments. Donc priorisez les gros monstres pour récupérer un maximum de fragments. Après, vous pouvez aussi tuer les autres joueurs. Je pense que quand vous tuez les autres joueurs, vous pouvez récupérer leurs fragments aussi. Parce que lui, il vient de récupérer mes fragments, je pense, j'ai l'impression. Donc voilà, quand vous aurez terminé le défi, bah, vous aurez terminé, vous débloquerez les récompenses et vous débloquerez des XP. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulumec et ciao. Peace. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulumec et ciao. Peace.